région, j'écris ton nom. Le scrutin est clos. Cet amendement est adopté. Notre région portera le nom de Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Je vous remercie. C'est décidé. Ce sera Hauts-de-France. Lundi 14 mars, en séance plénière, les élus du Conseil régional ont adopté le nouveau nom de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Du 22 au 29 février, plus de 21 000 lycéens et 5 000 apprentis se sont mobilisés pour trouver un nom à notre nouvelle région. Oui, c'est bien de demander notre avis sur ça. Parce que c'est important, parce que c'est nous les futurs citoyens de demain. C'est sympa et c'est un peu un côté positif qu'on me demande, quoi. Ça me permet aussi de proposer mes idées à moi. Les établissements scolaires avaient jusqu'au 5 mars pour envoyer leurs propositions. Et parmi celles-ci, trois noms ont retenu l'attention de l'exécutif régional. Hauts-de-France, Nord-de-France et Terre du Nord. Soumis au vote du public sur le site internet de la région, c'est le nom Hauts-de-France qui est arrivé en tête avec 38% des votes. Adopté par les élus régionaux, ce nouveau nom sera transmis au préfet de région, puis fixé par décret avant le 1er octobre. Région, j'écris ton nom. 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 Région, j'écris ton nom.